Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'espère que le cours vous avez plu aussi. Donc, maintenant aujourd'hui, hein, je vais passer un accord au cours qui s'appelle un challenge. Donc, c'est moi aujourd'hui en fait qui vais vous lancer un défi. D'accord? Le défi en fait, hein, va constituer, d'accord, à effectuer, d'accord, plusieurs mouvements, d'accord, qui va faire l'équivalent d'un tour. Hein. Par exemple, s'il y a cinq mouvements, donc quand on aura fait cinq mouvements, ben, ça fera l'équivalent d'un tour. D'accord? Et par rapport à ça, on partira d'accord sur une période de 12 à 15 minutes, hein, par rapport à ceux qui veulent, d'accord? Soit 12 ou 15 minutes. D'accord? Et là, le but, hein, c'est de faire un maximum de tours. D'accord? Donc pour celles ou ceux, d'accord, qui connaissent, hein, ça rappelle un petit peu, hein, le cours qu'on fait, hein, sur le superset, qui est en fait, hein, sur un temps réduit, en fait, on tourne en fait sans arrêt. Sauf que là, on va vraiment contre la montre. Ça veut dire que là, vraiment, entre 12 et 15 minutes, il faut qu'on fasse vraiment un maximum de tours. D'accord? Donc, bien sûr, avant de commencer, effectuez, d'accord, un bon échauffement entre 5 et 10 minutes. Une fois que vous avez fait ça, d'accord, tranquillement, d'accord, vous allez répéter, d'accord, les mouvements que je vais vous montrer. Hein. Une fois que vous avez fait après, hein, le tour de chauffe, hein, bien évidemment, après, c'est parti pendant 12 ou 15 minutes, hein, suivant l'envie, hein, d'accord, de chacun. Par contre, hein, allez-y au maximum, d'accord. Moi, je vais vous accompagner, d'accord, sur quasiment presque la moitié de temps, hein, sur 5-6 minutes, hein, je vais vous accompagner. Et après, c'est à vous de continuer. Donc, on ne lâche pas, d'accord. Faites-vous accompagner, d'accord, avec un chronomètre, d'accord, soit de votre conjoint ou de vos enfants, d'accord, et que vos enfants vous encouragent. Hein. Moi, je compte sur vous. Je sais très bien que vous pouvez, d'accord, aller jusqu'au bout, d'accord, avec ou sans moi. Moi, je sais très bien, voilà, qui est capable, hein, de faire tout ça. Donc allez-y, foncez. D'accord? Donc les mouvements, bien sûr, qui vont être montrés, ça va être alors des burpees, des abdos, des pompes, d'accord, des air squats et des montées de genoux. 10 burpees, 20 abdos, d'accord, 10 pompes, 10 air squats et 30 secondes, hein, de montée de genoux au maximum. Donc maintenant que l'échauffement a été fait, je vais vous montrer en fait, hein, les différents mouvements que l'on va effectuer. Et après ça, ce sera à vous de jouer. Après, bien sûr, hein, on est parti, hein, sur 15 minutes, d'accord? Donc à vous, hein, de donner le maximum, hein, pour faire un maximum, voilà, de tours. Et après, si c'est possible, hein, vous pouvez après nous laisser, hein, d'accord? Voilà quoi, des messages, hein, pour savoir un petit peu quel a été votre score, pour chacun, chacune.
Vous avez vu à peu près? D'accord, les 100 mouvements que je vous ai expliqués. D'accord. J'ai fait toujours à chaque fois, à chaque mouvement, d'accord, par rapport aux différentes personnes, c'est un des mouvements qu'on peut vraiment faire différemment. Donc comme ça, tout le monde peut le faire. Sans souci, maintenant, vous n'avez plus qu'à donner au maximum, d'accord, 12 minutes hein, maximum de tour possible. Je vous ai montré comme mouvement, ça représentait un tour. Donc le but, c'est de faire vraiment un maximum de tours sur les 12 minutes. Vous allez voir que les 10 minutes d'avant d'échauffement, comme j'avais précisé, d'accord, plus une minute, d'accord, pour bien sûr faire le tour des mouvements pour, comment dire, s'échauffer encore plus et après entamer la séquence, ça va faire un peu programme d'au moins 25 bonnes minutes cardio maximum. Maintenant, à vous de jouer et j'attends vos retours. Bon courage à vous et on y va.